Ma vie, c'est un film! Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit quoi? Il bouge encore, il bouge encore, il bouge encore! Hein. Il est où? Mouna! Il est où? Ramenez-le, ça y est, c'est bon, c'est bon. Regarde, il ramène chez le veto, ça y est. Ah, ramenez-le chez le veto, vite. C'est bon, ma chérie, c'est bon. Parle! Je parle à qui? Je parle à qui? Je suis pas content! Oxo, je suis pas content! Hé, je suis pas content! Cet été, j'ai été convoqué à la police parce qu'ils se sont battus avec le chien de mon voisin. La chanté, j'ai pris des dresseurs, j'ai pris deux dresseurs. Ils m'écoutent, hein, ils m'écoutent, hein. Envers les êtres humains, je vous jure qu'ils sont inoffensifs. Mais avec les autres chiens, j'y arrive pas. Allez vous coucher! Je suis désolé, je suis vraiment désolé pour Elena, je me sens coupable. Là, c'est moi, je me sens coupable. Oh, j'ai fait la story. Je le jure par prévention. Je le jure que je savais même pas si j'allais la poster. Regardez, je lui ai dit. Il y a des... Les chiens, la chaîne T, faut savoir que les chiens, enfin, surtout Oxo et Athéna, ils sont beaucoup jaloux. Genre, quand tu viens dans leur territoire à la maison, c'est chez eux. Ils n'acceptent pas de voir d'autres chiens. C'est le monde animal, c'est comme ça. J'ai pris des dresseurs, comme je vous ai dit. J'ai tout fait, la chienté. Ils sont vraiment gentils, ces deux boules de poils adorables. Mais quand ils voyaient notre chien, j'arrive plus. Il y a à peu près 2 mois et demi, on a ramené Oxo et Athéna 3 fois. 3 fois. Chez le vétérinaire, il leur a fait un test comportemental. Et les chiens agressifs, on les note sur 4. Eux, ils ont eu 2 sur 4. En gros, inoffensifs envers les êtres humains. Mais quand ils voyaient notre chien, ben... Ils mordent. Là, avec Morgan, on est en train de chercher encore des dresseurs, on est en train de chercher, mais je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. Ouais. Ça, c'est le mien. Et ça, c'est le tien. Oui. Ça faisait longtemps que tu l'avais? Ça faisait 3 mois. 3 mois? C'est bébé, mais je t'ai dit quoi, ma chérie? Mais je savais, mais c'était pour ton bébé que je te disais ça, ma chérie. Il va s'en sortir, il va aller chez le vétérinaire. Il va s'en sortir. Non, arrête, ne dis pas ça.